Bonjour les amis de la F1, bienvenue sur la chaîne de la FRM Belgium France pour suivre avec nous le championnat de la CRT. On sera en direct de Silverstone pour cette fin d'après-midi. Alors j'espère que vous allez tous bien. Alors nous avons 20 pilotes au départ aujourd'hui. Il fait beau. Le commentateur est là. Les pilotes commencent déjà à sortir des stands. Et normalement, pour cette qualification, on va avoir déjà du beau spectacle sur ce circuit de Grande-Bretagne. Alors que ça sort déjà du côté de McLaren, qui va directement sur la piste. On a aussi la Mercedes de Nono. Alors c'est parti, c'est parti. Ah, on va faire le temps que je mette un peu dans le bain parce que évidemment soirée difficile hier, matin très compliqué aussi avec le foot et du coup la grosse glandouille dans le divan l'après-midi. Et évidemment, qui dit grosse glandouille, dit on a piqué du nez. On a un peu réveillé off-short. Hein, donc, mais on est là. Voilà, on est là. On va suivre cette session avec nos amis de la CRT. Évidemment, tout ça emmené par leur chef d'Oscam qui va sûrement. Jouer les premiers rôles pour la pole position. Alors là, on est à l'image avec son coéquipier Médox. Mais on va directement se diriger vers le premier pilote qui va s'élancer. Ce sera un pilote normalement Mercedes, il me semble. Ouais, ce sera Nono qui sera le premier à s'élancer pour son tour rapide. Et voilà, c'est parti pour le pilote Mercedes. Alors, le pilote Mercedes qui, bien sûr, avec la voiture attitrée de Lewis Hamilton. Et on reconnaît la petite bande jaune sur le halo. Alors il vient de finir le premier secteur. Il se lance directement dans le deuxième. Alors ce circuit est quand même avec pas mal de virages rapides, dont celui-ci. Il a quand même décéléré un petit coup. Alors, c'est trois virages emblématiques. Allez, les limites, hein, Nono, et les limites. Alors, bonsoir Doskiam. Bonsoir Elliot. J'espère que tu vas bien. Ça va, moi, nickel. Alors, la fin du tour pour Nono. Et alors, Elliot qui est remplacé hein, ce soir. Voilà le meilleur temps pour Nono. Directement battu par Raikkonen, le pilote McLaren. Et Joslav qui vient se mettre deuxième. Alors, on va aller du côté de Eagle. Eagle qui en termine. C'est le troisième temps. Alors, Médox vient de se classer quatrième, Triomphe sixième. On va du côté du pilote belge. Qu'est-ce que ça va donner pour la Belgique? Huitième temps, c'est quand même assez loin. Alors qu'on a le retour de Charles Ingalls. Charles Ingalls qu'on avait pu longtemps vu dans la petite maison dans la prairie. Une fois qu'il y a un peu d'herbe, il fait son retour, hein, Charles.
Et il nous fait le septième temps. Alors, on attend d'autres pilotes qui vont lancer le sol leur tour. On a Mbok, on a Mookie. Ils sont dans des tours de sortie. Alors, ils sont quand même encore assez loin de la ligne. On a Mbok normalement qui sera le prochain à passer la ligne pour s'élancer pour son tour rapide. Alors, ça va être parti pour Mbok. C'est parti pour Mbok dans le secteur A. Oui, Lexi, je t'entends, mais je suis un peu occupé là. Il y a Mbok qui part à la faute là. Joli rattrapage. Alors que Mookie vient de se classer quatrième. Alors on est à l'image avec Tony V. Alors, la fin du tour de Tony. Alors, pour le moment, c'est toujours Aiko qui détient le meilleur temps. Désolé pour le petit moment de calme, mais évidemment, quand on a des enfants, c'est un peu compliqué. Surtout quand l'enfant en question s'est fait confisquer son GSM. Donc, imaginez-vous. Là, il est carrément PLS. Alors, Tony V, il est venu se classer. Il est passé 12e parce qu'il y a un pilote qui a amélioré juste devant lui. Alors, on va aller voir du côté de Thibaut. Thibaut, le pilote Aston Martin. Et bonjour Enduro El Speedy. Merci d'être passé faire un petit coucou sur le chat. Alors les petits gars, on n'hésite pas à mettre le petit pouce sur le live. Et si ce n'est pas encore fait, à s'abonner à la chaîne de la FRM Belgium France. Nous sommes en direct tous les mercredis à 21h avec notre championnat officiel.
Le jeudi, nous sommes aussi en direct à 21h pour notre championnat GT sur Gran Turismo 7. Et tous les 15 jours, comme aujourd'hui, à 17h, avec nos amis de la CRT et Thibaut qui fait le meilleur temps. L'ami Thibaut, bravo à lui. Ah, ça va être un client, hein, oufti. Il nous a fait un gros chrono là, une 2610. Il met 8 dixièmes à Raikkonen, donc c'est quand même pas rien. Alors on va aller se mettre sur le pilote Mercedes. M6 Mu. Alors ça va être un sérieux client aussi. On a Doskam aussi qui est dans son tour rapide. Le voici, le pilote Ferrari. Alors, MCU 27,563 dans le premier secteur. Ça va jouer, à mon avis, ces trois-là. MCU, Doskam, Thibaut. Il y aura Tom aussi. Mais qui a la lourde pression de remplacer Elliott. Donc. Alors que MCMU est dans Maggots Beckett Chapel. La ligne droite avec le DRS. Alors, on est dans l'avant-avant-dernier virage pour MCMU. Bonsoir Médox. Alors, la fin du tour de MCMU, qu'est-ce que ça va donner? Le deuxième temps, vite sauter sur Doskam. Et on voit que pas mal de pilotes sont en pneu médium. Le quatrième temps pour le leader du championnat. Alors, c'est parti avec le remplaçant d'Elliott, Tom. Ah, il passe quand même vachement plus vite que Nono. Ici, on décélère un petit peu. On passe quasi à fond. Ça a freiné légèrement pour Tom. La ligne droite avec le DRS à l'appui. Et puis cet enchaînement gauche-droite pour aller chercher le dernier virage, alors qu'il reste déjà plus que moins de 5 minutes dans cette qualification. Et Tom 3ème. Alors on se dirige vers Géo, le pilote Williams. Et pour le moment, les éliminés seront Tony V, Montana Triumph, M-Book. Et Géo, mais Géo qui n'a pas encore de chrono. Comme vous le savez, l'objectif c'est de se hisser parmi les 15 premiers dans la Q1. Dans la Q2, il faudra se hisser dans les 10 premiers. Et puis la Q3, les 10 premiers s'affrontent pour aller chercher la pole position et bien sûr des bonnes places sur la grille. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour le pilote belge? Je pense que ça n'ira pas chercher tant dans le top 5, mais voilà, c'est pas l'important pour le moment. Le plus important, c'est de se classer dans les caisses meilleures. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour Géo? Voilà, Géo, troisième chrono, il me fait tromper. Joli tour du pilote belge, bravo. Troisième chrono. Là, il se met directement à l'abri. Il ne craint plus rien. Alors que j'ai comme l'impression que Doskam a continué son effort, oui. Pas assez content de cette sixième place.
On est à 3 minutes de la fin. Triomphe qui est en danger. Charles Ingalls qui est sur la sellette à la 15e position. Alors, on va voir ce que ça va donner pour Doskam. Va-t-il améliorer avec ses pneus médiums? 5e chrono. Juste devant Raiko et juste derrière Tom. Alors, on va se mettre du côté de Montana. Montana qui vient de lancer son chrono. La Ferrari de Doskam qui s'écarte. Ah, il s'est loupé Montana. Aïe aïe aïe, il se met en danger. Ouh là là, et Mbo qui fait pareil. Ah, à mon avis, il y a de l'huile de friture là. Sur la piste. Allez les amis, il faut vite recharger votre RS. Et normalement, on a largement le temps de pouvoir effectuer un chrono. Allez Montana, il faut accélérer, freiner un maximum pour recharger cette RS. Allez, on va aller voir du côté de Tony V. Alors, Médoc, il nous dit pas de doublé Féfé à la CRT. J'ai encore mon appendice. Aïe, aïe, aïe. Mais je pense que ça va être compliqué aujourd'hui hein, pour les Ferrari. Je sais pas pourquoi. J'ai un pressentiment. Ça va être très, 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 très tendu. Je pense qu'aujourd'hui, on va avoir... une petite bagarre avec des moteurs Mercedes. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Alors, on va aller voir du côté de Charles. Charles Ingalls. Et bonsoir, mon ami Arnaud. Ça va bien et toi? Et ouais, je suis sorti de ma boîte le dimanche pour commenter nos amis de la CRT. Aïe, 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 pour Charles, il a coupé. Virage annulé. Malheureusement, il va rester 15e. Oh, et voilà, là, il est dans la prairie. Alors, qu'est-ce qui peut éventuellement aller chercher la 15e place, voire mieux, dans les trois derniers? Est-ce que Montana peut le faire? Oh, il en avance d'un dixième. Alors, quel drapeau de rami a été brandi? Est-ce que Mbok peut aller chercher le top 15? Oui. Ouh là là là, il a escaladé. On va voir ça s'il en avance. Ouais, il en avance de 5 secondes. Hein, donc ça lui donnerait un temps de 1:30 quelque chose. Ce sera sûrement peut-être pas suffisant malheureusement. Ah, il a plus d'essence, je crois. Ouais, il a plus d'essence. On l'entend, il n'a plus la possibilité. Alors on va se mettre sur son coéquipier Montana. Montana, lui, il a encore de l'essence. 18e, il améliore, mais malheureusement ça suffira pas. Et c'est la fin pour Tony qui est rentré. Et ben voilà, on a nos éliminés. Hein, Donc 16e, on aura Triomphe, le pilote AlphaTauri, 17e, Enscorp, le pilote Williams, 18e, Montana, 19e, Tony, et 20e, Mbok. Donc malheureusement, les deux As éliminés dans cette session. Alors c'est passé pour Nono, à la 11e place. Et sinon, tous les autres pilotes sont au stand. Malheureusement pour Enbok, l'élimination, la dernière position. Alors, Arnaud qui me demande, je sais pas si tu as vu le GP. Non, je n'ai pas regardé le GP. Parce que hier, tu as sûrement pas vu les photos sur Discord. Mais hier soir, j'étais de sortie.
Je peux même dire que j'ai dû appeler mon Bob pour venir me chercher. J'ai laissé deux tags dans ma rue, à même le sol. Ce matin, réveil dardard pour aller au foot avec le fiston. Par une météo bien belge. Le terrain est dégueulasse. Chercher la victoire dans un match assez tendu, 2-3. Et puis après-midi, j'étais complètement dans le cake. Et voilà, le meilleur temps de Thibaut devant MC Mu et Géo. Et puis je me suis un peu assoupi et je me suis réveillé comme si Doskia m'avait crié dans l'oreille. Bichard, réveille-toi. Il est 4h52. Et du coup, ben voilà, un peu réveillé en sursaut et vite monté au bureau, allumer la console et venir commenter cette course. Donc non, j'ai pas vu le GP. Ben, si tu m'en parles déjà, mon avis c'est que l'autre Verstappen n'a pas gagné. Déjà. Ça c'est déjà un signe. Par déduction. Notre déduction, je pense que une Ferrari a sûrement fait un bon résultat. Ou voire même notre ami Lewis. Merci pour mon fils. Ouais, belle victoire. 3-2, c'était difficile. À l'extérieur, à Batis, toi tu connais. Sur un terrain bien dégueulasse, bien pourri. Et non, je ne connais pas le résultat du GP. Mais je pense que, ouais, si tu m'en parles, c'est pas Verstappen qui a gagné. En plus, t'es 6, donc je pense qu'une Ferrari a gagné. Alors, nous sommes partis dans cette Q2 où on voit les 15 qualifiés. Donc, il n'y a pas eu vraiment de surprise. Les meilleurs sont encore là. Alors, ça va être temps d'axe pour Charles Ingalls, qui passait 15e de justesse. Et Géo qui nous a surpris avec un très beau chrono. Alors qu'on voit, c'est la file hein, dans la ligne droite. Charles qui prend les devants. Il est directement dépassé par Pilote AlphaTauri. C'est Eagle. Allez, c'est parti. Nono qui vient de lancer son chrono. Bon, on l'a déjà vu à l'image. Nono, on va aller se mettre sur Médox, le pilote Ferrari. Oui, Arnaud, tu peux se poil si tu veux. Tu peux te faire le maillot, tu peux te faire les dessous de bras si t'as envie. Tu peux te faire les cheveux. Vas-y, je t'en prie. Ouais, il fait pas très chaud là, donc je vais en profiter. Je vais mettre le petit peignoir bien sexy à madame. Voilà. Et évidemment, il est aux couleurs de Ferrari. Alors, doublé Ferrari 1 et 2. Amazing! Ben voilà, je m'en doutais qu'il y avait de la Ferrari dans l'air. Si tu en parles, c'était sûr et certain. Et alors, abandon de l'Hollandaise et abandon aussi de Lewis. Ah ben voilà. Ouais, Lewis, il est pas dedans là. Mais c'est cool si les deux Ferrari ont gagné. Meilleur temps pour Maddox. Alors, Raikkonen directement le bas. En une 26-109. GG Dugarry qui vient s'inviter à la deuxième place.
Alors, on va aller se mettre sur Kajdanovic qu'on n'a pas encore vu. L'ami Kajda. Ah, je suppose qu'avec le doublé Ferrari, ah, il rentre au stand Kajda. Étonnant. Nono ralenti. Bizarre. Pas mal de pilotes qui rentrent. Alors, on va se mettre avec Tom. Qui va lancer son chrono. Je pense que tu t'es tapé une baballe avec le doublé Ferrari, Navi. Alors, c'est parti pour le pilote alpine. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour lui? Alors, Carlos PA et pilote du jour, Charles P2 avec le meilleur tour. Tifosi aux anges. Ben ouais, tu m'étonnes. Et Pérez, il était où lui, Pérez? Parce que vu que la petite Hollandaise volante n'était pas là, Pérez, normalement, il devait être dans le coup. En plus, c'était le Grand Prix d'Australie, j'aime bien ce circuit, mais. Malheureusement, j'étais fort occupé. J'aurais dû l'enregistrer, j'ai pas pensé. Alors, on est avec Tom, le pilote alpine. Alors, il est dans la fin de son tour. Thibaut, Charles et Géo vont bientôt lancer leur tour rapide. Kajdanovic aussi. Et Tom, c'est le deuxième chrono. Juste des Raikkonen. Alors, on va aller voir du côté de Thibaut, le pilote Aston Martin. Alors, Pérez 5e, Lando complète le podium et Piastri 4e. Les McLaren ont fait une belle course aussi, alors. Et George Russell, sûrement encore dans les choux. On va encore avoir une grosse Mercedes cette saison. La date la FA. Alors Thibaut, normalement il devrait pas avoir de soucis pour lui. Pour aller se classer dans le top 10. Alors là, tous les pilotes normalement sont top pneus soft. Je pense que plus personne ne sera en médium parce qu'évidemment en Q1, certains pilotes prennent des pneus médium. Et le meilleur temps pour Thibaut, oula, une 25-854, c'est très rapide. Alors Kajdanovic, le voici. Kajdanovic, il a relancé un chrono. Hein. Il a relancé. Ouais, pas mal de pilotes gardent les pneus frais en soft, utilisent le médium en QA. Bien sûr, évidemment, pour économiser un trait de pneus. Alors, Kajda. Qu'est-ce que ça va donner pour le coéquipier du meilleur temps pour le moment? Alors, il va bientôt terminer. Il lui reste trois virages. MCMU, Charles Ingalls, Belstosh et Mookie sont dans un tour rapide aussi. Et Kajdanovic, c'est le 8e tour. Alors, on va aller se mettre sur Bestoche. Le pilote belge avec sa Red Bull.
Alors que Doskam est dans son tour de sortie. Alors, ça donne le 9e chrono pour Bestoche. Alors, vite sauter sur Mookie qui va terminer. MC Mu va le suivre juste derrière. Mookie, c'est le 4e chrono. Et alors, le pilote Mercedes. Le 2e chrono juste derrière Thibaut. Donc là, ça va se qualifier sans problème. Alors, le pilote Ferrari, il est parti. Ça y est. Caméra embarquée avec le Hit-It de la CRT. Profiter d'un peu d'aspiration, non? C'est vrai qu'on n'a pas encore vu de pilote jouer le jeu d'équipe avec l'aspiration. Alors la fin du tour de Doskam, le leader du championnat. Alors qu'est-ce que ça va donner sur la ligne? Le 2e chrono. Ça commence tout doucement à aller de plus en plus vite. Alors on attend impatiemment Eagle et c'est parti. Le pilote AlphaTauri. 3 minutes 27 de la fin de cette qualification de cette Q2. Alors que Arnaud me conseille, que je n'ai me conseille d'aller voir un résumé. Sacré crash de Russell, le pauvre dernier tour qui cherchait la P6. Regarde Messenger, 2 secondes si t'as le temps. Ah, je regarderai ça après la qualification. Alors, Eagle, va-t-il réussir à se classer dans les 10 meilleurs? Une 03-310 dans le secteur 2. Il a été joué un peu avec le sable, hein, légèrement. Alors, la fin du tour de Eagle. Ah, il a l'air pas mal, il a l'air pas mal. Et 8e, il le fait. Bravo Eagle. Alors du côté de la Ferrari, donc du coup ça met Medox dehors et Géo en danger. Attention, Nono arrive. Et Nono il lance maintenant, c'est parti. Mais attention, du côté de chez Ferrari, on est en danger, Medox. Alors, salut Clément. Eh ouais, la CRT en force. Ah ouais, là pour le moment ça roule très fort. Medox qui va lancer son chrono. Il reste moins d'une minute 25. Nono, lui, il est en train de donner tout ce qu'il a. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, Nono, Nono, Nono. Ouf, ouh Nono. Nono, le petit robot, il a failli partir là. C'était chaud, il a été mettre les 4 roues dans l'herbe. Je pense qu'il va pas pouvoir améliorer. Alors, on va aller voir du côté de Medox. Et Clément qui dit salut à tout le monde. Salut à toi, Clément. Et Doskam, je le fume. Ah, bah écoute.
Tu le fumes comment? Avec des petites feuilles, des grandes feuilles, un tube à cigarette. Il y a plusieurs façons de le fumer. Ou au barbecue. Pourquoi pas? C'est vrai que bientôt, ça va être la saison des barbecues qui va recommencer. Ça pourrait être pas mal de se fumer un petit dos cam. Alors, Médoc, son coéquipier. Il est en difficulté. Oh là là, Eagle. Eagle, qu'est-ce qu'il a fait? Eagle, c'est un abandon sur la piste, je pense. Alors, la fin du tour du pilote Ferrari. A-t-il s'hissé dans le top 10? Et dixième, de justesse. Au fly finish. Alors, le combat est lancé. Les deux Red Bull éliminés pour le moment. Cash Danovic, c'est terminé. Mercedes, Donono, c'est fini aussi. Alors, Bestoche ou Charles Ingalls vont-ils réussir à se mettre dans le top 10? Là, on est avec Charles. Je pense que ça va être un peu compliqué pour Charlie. Charlie 14e, éliminé malheureusement. Bestoche. Est-ce que lui peut le faire, le pilote belge? Ah et non, 12e éliminé également. Malheureusement, ça passe de justesse pour Médox. Et le meilleur temps pour Thibaut. Alors, on aura les deux Ferrari en Q3. Alors, ça, c'est beau. On aura les deux McLaren. Et alors, pour le reste, on aura une Williams, une AlphaTauri, une Alpine, une Alfa Romeo, une Mercedes et une Aston Martin. Voilà le résultat de cette Q2 très serrée entre Thibaut et Doscam. MCMU est un peu hors trait. Et puis voilà les éliminés. GG Dugarry, Bestoche, Cash Danovic, Charles Ingalls et Nono. Alors, Clément, courage, Steph. Et Doscam, il a envie de le prendre, Clément. Mais ça ne nous regarde pas. Je sais pas si tu veux le prendre sur la table de la salle à manger. Ou dans le jardin. On veut rien savoir, nous. Alors, c'est parti. Hein. C'est celle-là qui compte le plus. C'est la Q3. 12 minutes. Qui va aller chercher cette pole position? Ça sort du côté de chez Ferrari et de Doscam. Alors évidemment, cet arrêt au stand ici à Silverstone coûte beaucoup de temps hein, parce que la vitesse limitée est pas élevée du tout. C'est très 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 long pour rentrer dans son stand, en ressortir. Donc je pense que pas mal de pilotes vont choisir une stratégie pas trop agressive pour éviter de rentrer beaucoup de fois au stand. Allez, on va aller se mettre un peu du côté de McLaren qu'on n'a pas encore vu. Avec Joslav qui est en piste. Les deux McLaren qui suivent avec Raikkonen. Allez, c'est le moment de donner votre prono. Qui va faire la pole position? Thibaut, Doscam, MCMU, Tom. Ou alors une surprise en la présence de Médox, Mookie, Eagle, Géo, Raikkonen ou Joslav.
Les dés sont jetés. Alors qu'on voit que le chrono, il défile, il reste déjà plus que 10 minutes. Allez, c'est parti pour le leader du championnat. Pied au plancher. Ah, on va déjà voir le temps de référence dans le secteur 1. Il est en 27,338. On va voir comment ça se passe comparé à Thibaut. MC Mu et Eagle sont toujours au stone. Justav, dans son tour de sortie, vient de lancer son chrono. Alors, 27,338 pour Doscam. Est-ce que Thibaut va faire mieux? 349, il est un peu en retard. Alors, 1,02,466 pour Doscam dans le secteur 2. Le dernier secteur pour le pilote Ferrari. Alors, on va voir son chrono. 25,809. Alors, Thibaut, il est dans la fin du secteur. Où est Tom qui vient de faire le meilleur chrono? Énorme. Le pilote alpine. Midox vient de se classer 3ème. Ça rentre du côté de Mookie. La fête du tour de Thibaut Géo qui vient se classer 4ème. Thibaut 3ème. 25,809. Le même temps que Doscam. Le même chrono pour les deux. Alors, on va se mettre sur Joslav. Et Joslav 7ème. Une 26,662 pour lui. Donc voilà, le premier run rapide d'Eddie Meyer. Donc, Tom qui détient le meilleur temps pour le moment. Et juste derrière lui, Doscam et Thibaut avec Zeko. Alors, les petits gars, n'oublie pas le pouce sur le live. On n'hésite pas à s'abonner si c'est pas encore fait. Nous sommes en direct tous les mercredis, tous les jeudis. Et tous les 15 jours, le dimanche à 17h. Et le mercredi et jeudi à 21h. Alors, MC Muc est dans son tour de sortie. Ah, il y a quand même du monde hein, sur la piste. Alors, il va bientôt lâcher les chevaux, le pilote Mercedes. Et c'est parti pour MC Mu. Alors, tout le monde est au stone, il a la voie dégagée. Oula, il est rapide là, il est plus rapide que Thibaut et Doscam dans le secteur 1. 27-2. Alors que Doscam et Thibaut est en 27-3. À fond de 7. On rétrograde jusqu'au 6ème pour repasser avec le DRS à fond, 7ème, 8ème. Ouais, grosse vitesse pour MC Muel, 337 km/h. Est-ce qu'il peut aller nous casser la baraque à Silverstone?
On va le savoir incessamment sous peu. Le dernier virage. Et oui, il le fait, le pilote Mercedes. Une 26-689. C'est le meilleur temps pour le moment. Bravo. Joli tour de MCMU. Alors, on va vous mettre les écarts. Voilà, c'est très serré. 34 millièmes. 1 dixième, 2 dixièmes. Et puis, on passe à Géo à 8 dixièmes. 9 dixièmes pour Médox et Joslav. C'est très très serré. Alors que le pilote Alfa Romeo vient de lancer son chrono. C'est parti pour Mookie. Ah, il est un peu plus loin, 27,5. Déjà 3 dixièmes de MCMU. Ah, il vient de frapper fort, hein, là, le pilote Mercedes. 27,6. Mais je pense que du côté de Thibaut, de Scam et Tom, on va se cracher dans les mains pour essayer d'aller chercher ce chrono. Alors, Mookie qui est dans la ligne droite, 332 km/h. On va voir où il va venir se classer, le pilote Alfa Romeo. Et sixième chrono pour Mookie. C'est pas trop mal, une 26-2. Ouais, c'est compliqué d'aller chercher quand même les 5 devant, qui sont 25. 25-930 pour Raikov, 25-809 pour Doskam et Thibaut. Alors, Raikov qui a relancé un tour. C'est parti pour le pilote McLaren. Et 27-3. C'est pas trop mal pour Raikov, il est en avance sur son temps. Pas de beaucoup. Mais il est en avance. Doskam également qui a lancé son chrono. Mais on va rester avec le pilote McLaren. Thibaut qui vient de s'élancer également. Ah, ça va être chaud, je pense aller chercher la poule de MCMU. Et je pense que MCMU ne ressortira pas, donc il va se contenter de son 26-689. On va voir la fin du tour de Raikov. Ouais, 25-824, 5ème, il reste à la même place, mais il améliore. Alors, du côté de Doskam, Doskam a coupé son effort. On accélère et on freine pour recharger le RS. Ah, il reste un peu de temps, il reste 1 minute 20. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour Thibaut? 334 km/h au bout de la ligne droite. Alors que la Ferrari de Doskam se relance. Ah, MCMU, il est en tour de sortie, mais je pense pas qu'il va avoir le temps. Et Thibaut, meilleur temps. Thibaut, meilleur temps. Bravo à Thibaut. Une 25-548. Ah, MCMU, ça va être chaud. Hein. 37 secondes. Très très chaud. On va aller voir du côté de Doskam. Doskam en avance de 34 millièmes. Ah, est-ce que MCMU va avoir le temps de passer la ligne? Oui, largement, largement. Il va falloir qu'il tape un gros coup là, parce que Thibaut, il vient de nous sortir encore un plus gros chrono. 25-748. Tom, lui,
pourra pas effectuer d'autres tours. Raikkonen non plus et Maddox non plus. Parce qu'ils sont restés au stun. Voilà le drapeau à Damien Brody. C'est maintenant ou jamais. Alors GEK a cassé la voiture. Aïe 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 pour Géo. Et c'est ouais, dans le secteur pour Géo qui a cassé. Alors la fin du tour de Doskiam. Va-t-il aller chercher la pole position? Et non. Quatrième. Alors on va voir du côté d'MCMU. 22 millièmes d'avance. Le seul en lice qui peut encore aller chercher le meilleur temps de Thibaut. 55 millièmes d'avance. Ce sera pas suffisant. Il faut encore gratter un peu plus. De toute façon, il faut tout donner, il faut tout tenter, être à la limite. Allez, les derniers virages pour le pilote Mercedes. Alors, premier ou deuxième? Et meilleur temps! Voilà, meilleur temps, il a fait. Gros dernier secteur pour MCMU. Gros secteur, 25-700. 47 millièmes de mieux. Que Thibaut, le voici, le voilà, le poleman de cette manche en direct de Silverstone, le pilote Mercedes MCMU, bravo à lui. Et alors Dossiam qui nous dit, j'ai amélioré de 3 dixièmes. Hein. Ah ouais, malheureusement Dossiam. Aïe aïe aïe. Mais voilà, quatrième, c'est pas si mal. Alors, la pole d'MCMU en 25-500. 47 millième de mieux que Thibaut. Tom, t'as une très belle troisième place. Quatrième, on aura le pilote Ferrari, leader du championnat d'Oskiam. Cinquième, Raikkonen. Sixième, Mookie, avec son Alfa Romeo. Aussi en 25-867. Et puis on passe au-dessus de la barre des 25 avec Eagle 7e, 8e Joslav, 9e on a le Belge Géo avec sa Williams et 10e coéquipier chez Ferrari de Doskia, Maddox. Donc voilà, c'est la fin de cette qualification à Silverstone. Nous allons tout doucement nous diriger vers la course. Alors d'abord, les pilotes vont faire leur stratégie. Alors que Elliott ressort de sa boîte. Hein. Le voici, le voilà. Eh ouais, la concurrence est rude, très rude. Alors que, ah ouais, Russell, il a fait un fameux crash quand même. Gros, gros crash. Alors, la petite pause pour moi, pour les amis de la CRT. Alors faites attention aux panneaux aussi les amis, ceux que les pilotes, à pas casser les panneaux avec la distance du freinage. Et bonsoir Polo. Pas trop mal à la tête, non ça va, ça va, ça va. Il souhaite bonne chance à l'ami Tom. Et Russell, joli deux roues. Ben ouais, j'ai hâte de voir les photos. Arnaud m'a envoyé les photos sur Messenger. Mais sinon, ouais, non, pas trop mal la tête. Et toi, tu t'es remis de mercredi, mon petit Polo? Avec tes 2 grammes dans chaque bras. Alors, Alonso, Nasase, surtout. Ah, donc, ce serait notre ami Alonso qui aurait fait des siennes. Alors voilà, c'est parti
Première ligne, Mercedes Aston Martin. Deuxième ligne, Alpine Ferrari. Troisième ligne, ce sera McLaren et Alfa Romeo. Quatrième ligne avec AlphaTauri et la deuxième McLaren. Troisième ligne, cinquième ligne, pardon, Géo avec la Williams et une Ferrari de Médox. Et puis au-delà du top 10, on a GG Dugarre, Bestoche, Kajdanovic, Charles Ingalls, Nono, Triumph, Enscorp, Montana, Tony V et Mbouk. Voilà pour les 20 pilotes qui vont s'élancer pour ces 26 tours sur ce circuit de Silverstone. Alors que c'est en train de débattre sur le chat par rapport à l'incident. Ah, il faudra que je regarde cette course en différé. Alors, on n'hésite pas à donner son prono pour cette course de la CRT. Qui va aller chercher cette victoire? Est-ce que MCMU va garder le bénéfice de sa pole et aller s'imposer? Est-ce que Thibaut va aller chercher cette victoire? Est-ce que Tom pourrait aller chercher cette victoire également? Ou est-ce que Doskiam, le leader, va remonter tout ce petit monde et aller s'imposer? Raikkonen pourrait créer la surprise. En tous les cas, les meilleurs sont devant. Ça, c'est déjà une chose. Les meilleurs sont devant, mais attention, on a des outsiders. On ne sait pas ce qui peut se passer dans cette course. Alors, le paparazzi, là, il nous fait carrément un zoom. Hein. Alors, c'est parti. À droite, on voit les feux qui s'allument. Les 5 feux sont allumés quand ils s'éteignent. C'est parti, c'est le départ. Et c'est le départ. Oula, oui, un très beau départ de Doskiam, je pense. Très beau départ de Tom. Très beau départ d'MCMU qui gagne l'avantage. Oui, il n'y a pas eu de rififi, je pense. Attention à ce double freinage, ça se passe bien pour tout le monde. Et c'est parti pour ces 26 tours avec les amis de la CRT. Ouais, c'est directement la bagarre, ça se décale dans la ligne droite. C'est Médox qui tente une manœuvre d'intimidation sur GG, ça passe pas. MCMU a gardé l'avantage, c'est Thibaut hein, qui a perdu des places. Et Doskam qui passe directement déjà deuxième. Alors, très bon départ de Doskam. Alors, directement derrière, il y a la bagarre. Les deux Red Bull l'une derrière l'autre. Mbouk a disqualifié déjà Mbouk. Malheureusement pour lui. Aïe aïe aïe. Meilleur tour pour MCMU. Logique, ça a été le premier à passer la ligne. Elliott qui encourage GG. GG qui est dans le top 10 pour le moment. Et Doskam qui met la pression sur MCMU. Ah, il va tenter directement de l'attaquer. Oui, il y va.
Par l'intérieur, c'est passé. La Ferrari qui prend le leadership. Alors, on va mettre vite fait les stratégies pneus. Alors, tout le monde est en pneus medium hard. Il n'y a pas de pneus soft. Et Dostiam pour le moment à l'avantage sur MCMU et sur Tom. Avec des gommes un peu plus tendres, les médiums. On dit qu'il y en aura les hard pour la Mercedes et l'Alpine. Alors, Thibaut qui vient de passer sur Tom. Une grosse bagarre hein, pour les 4 premiers. Mookie qui suit tout ça. Et on commence tout doucement à creuser l'écart sur Riegel. Dosca meilleur temps. Allez, encore un tour et puis on pourra bénéficier du DRS. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'on a un petit peu de la bagarre? On a Nono. Nono très proche de la Red Bull de Bestoche. Et voilà, le DRS va être activé. Ah, il est un peu loin. Ah, ça n'attaque pas dans cette ligne droite. Ah, on remonte sur Raikkonen, qui revient très fort sur Riegel. Et puis on a un petit trou à la 8ème place avec Géo. Qui est déjà 2 secondes 2. Ouais, il a l'air rapide à Raikkonen, il est très rapide. Ah, on va aller monter sur les 5 premiers. Ah, là il va avoir du dépassement là. Oh là là. Ça se décale. Ouais, c'est Thibaut qui attaque MCMU. Et c'est passé. Ah ouais, la ligne droite DRS qui va. Ça va donner. Hein, surtout dans celle-là, cette ligne droite-là. Ouais, en plus Alonso et Russell, ils sont bons copains, donc ça risque un peu de détériorer leur amitié. Alors le petit trait des 5 premiers. Alors que Médox GG, ça se bagarre, Ferrari Alpine. Alors, très beau départ, hein, très beau premier tour des pilotes, pas d'incident. Il y a juste Joslav qui est très loin, il a eu des soucis à mon avis, le pilote McLaren. Ou Doscam qui est long, oh il va se mettre en danger là, il va se mettre en danger, oh oui, oh oui. Il s'est un peu loupé, oh là là, il se fait enfiler par les deux. MCMU est à l'extérieur. Petit coup d'œil à gauche pour Dostiam, il garde l'avantage. Eh, c'est chaud là, entre les 5 premiers. Mookie qui suit tout ça. Et c'est Raikkonen qui revient. Nigel a perdu quelques positions. Sûrement fait une petite erreur parce qu'il a été passé par Géo également. Alors, on a la bagarre Red Bull. Alors, le DRS est activé pour les deux Red Bull. Je pense pas que Pestoche va tenter une attaque sur Charles. Allez, on remonte devant. La bagarre pour la victoire. Alors que Polo est en train de jouer les Franck Montagny sur le chat du live.
va encore boire du verre. Oh là là, l'attaque de Thibaut. Et MCMU qui passe à l'intérieur, ça y est. Oh, c'était chaud avec Doscam. Mookie qui a montré les roues. Eagle, 3 secondes de pénalité. Voilà, le premier pilote qui ouvre la salle des pénalités. Thibaut qui a creusé un petit trou. Et Raiko tout doucement qui est en train de revenir. Hein. Petit à petit. C'est ici, il faut qu'il fasse un gros, gros, gros freinage pour pouvoir bénéficier du DRS. Ah, il y est, il y est. Kajdanovic, 3 secondes de pénalité. Voilà, il a le DRS. Raiko, ça va l'aider à revenir un peu. Ça démarre bien. Et ouais, Elliot, il est bon, Tom, il est bon. Et ouais, tu saurais pas rouler aussi vite avec ta voiture. Bah écoute, s'en sort bien là, ton remplaçant pour le moment. Il te fait honneur. Ah, on va se mettre sur Mookie. Voir un peu comment ça se passe de cet enchaînement de Nuggets, Beckett, Chapel. Ouais, là il perd un peu. Mookie, il a perdu gros là. Ouais, attention, MC Mookie va. Il fait l'intérieur sur Thibaut. Est-ce que Thibaut peut le recroiser? Non. Oh, Dostiam qui s'est rapproché très fortement de Thibaut. On aurait cru qu'il l'aurait rentré dans le pet. Alors, qu'est-ce que ça donne derrière? Il y a déjà des écarts qui se sont formés entre les pilotes derrière. Bestache a trouvé l'ouverture sur son coéquipier. Il est passé. Le voilà à la poursuite de Médox. Charles qui a un peu plus de mal. Alors voilà, le DRS est activé. Est-ce que Médox peut se rapprocher de GG? Non. Très compliqué dans cette ligne droite de se rapprocher. On voit différentes trajectoires entre Médox et Bestoche. Alors qu'il y a une bagarre à Géo et Eagle. Alors, est-ce que le pilote belge peut aller attaquer? Ah, et là, il est quand même proche. Le dépassement est activé. Et il repasse sur le pilote AlphaTauri. Bien joué. Alors, Raiko qui donnait l'impression de revenir repère un peu de temps. Mookie arrive à s'accrocher. Ah, l'abandon de Charles. Ah, Charles qui a cassé. Et voiture de sécurité. Voiture de sécurité. Où est-ce qu'il a cassé l'ami Charles Ingalls? Ah, et là, c'est Houston, à mon avis. Houston, quelque part vers là. On voit pas la voiture, nulle part. Ah, donc à mon avis, c'est dans les stands. Il s'est passé quelque chose. Oh, la voiture de sécurité en piste. Est-ce que les pilotes vont changer de stratégie? C'est la question. Je pense que les pilotes qui sont en pneu hard ne vont rien changer du tout. Alors, pas de changement de stratégie. Attention à bien respecter le delta. Pas prendre un drive-thru. Alors,
Ouais, si, 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 ça pète. Oh là là, Duskem qui a fait un gros freinage sur MCMU. Alors, les 6 meilleurs qui pètent. Ah, d'ailleurs, tout le monde pète, je pense. Hein. Jusqu'à la 13e place, tout le monde est au stand. Alors, à première vue, Thibaut a gardé l'avantage. Je devais avoir MCMU et Doscam. Donc, on est resté dans le même ordre. Et tout ça, ça a profité à Juslav, qui va pouvoir relancer sa course. Allez, combien d'usure pour Juslav sur ses gommes? 5 tours. Ou Tony qui met les softs. Tony met les softs. Moi, je serais Juslav, je rentrerai quand même remettre des nouvelles gommes. Et pourquoi pas mettre des hards? Mais il est resté en pis, Juslav, malheureusement. Je pense avec les hards, il pouvait aller au bout. Dommage, dommage, dommage pour Juslav. Mais voilà, il va pouvoir recoller au peloton. Alors, on voit Tony qui met les softs. Choix très très audacieux. Ça devra repasser une nouvelle fois par les stones. Donc pour ces pilotes, maintenant, le but c'est de rejoindre le peloton. Le voici. On va voir un peu ce qui se passe avec Thibaut derrière la safety car. Alors on va encore sûrement effectuer encore un tour sous régime de safety car. Je pense qu'après tout le monde aura recollé. Voilà, tout le monde a recollé. Tout le monde est au contact. Et on est reparti une nouvelle fois pour un tour de safety car. Nous sommes au 9e tour, hein, de cette course. Toujours dominé par Thibaut, MCMU, Doscam et Tom et Mookie qui se donnent la grosse bagarre devant. Raikkonen qui était en embuscade juste derrière. Alors il reste 16 tours dans cette course. C'est déjà passé, Vettel est 10 premiers tours. Ah, on n'a toujours pas eu de prono sur le chat. On a eu un petit débat sur l'accident de Russell. Mais pas de prono pour cette course. Alors moi je vais un peu quand même aller voir la stratégie des pneus. Ah, je pense que Thibaut et Doscam ont un petit avantage quand même niveau de la gomme. A voir, MCMU va être très rapide, Tom aussi et Mookie. Mais vont-ils réussir à garder leurs pneus jusqu'au bout? Alors pour le top position, ben pour le moment il y a Justin Scorp qui a gagné 5 places. Et la plus grosse perte de place c'est à mettre à l'actif de Joslav qui en a perdu 8. Sinon c'est du A2, 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 A2. Bon voilà. Alors je pense que la safety car va rentrer ce tour.
Voilà, c'est Thibaut qui va relancer le tempo. On va se mettre sur Doscam. À quel moment Thibaut va relancer les chevaux, hein? Je pense qu'il va vraiment attendre le dernier virage. Voilà, c'est reparti. Il relance maintenant. Très bon restart de Thibaut. Il a réussi à surprendre légèrement MC Mu. Et c'est Tom qui a pris un très bon restart. Il se fait déjà très pressant sur la Ferrari de Doscam. Et MC Mu directement qui va attaquer. Petit coup d'œil à droite, c'est passé pour le pilote Mercedes. Ouh, Thibaut qui glisse. Ouh là là, Thibaut. Ouh, Thibaut, il a perdu des positions. Ouh, 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 ouh. Il a bien rattrapé la voiture. Mais malheureusement, il a dégringolé à la cinquième place. Ouh, c'était juste, juste, hein. Très juste. Alors, on va passer la ligne pour la 12e fois, si ça m'en soupe. Alors, la bagarre pour la victoire, elle est ici, elle est là. MC Mu est meilleur temps avec ses pneus médiums. Ah, ça a resserré tout ce petit monde, hein, cette safety car. GG qui est dans les basques de Eagle. Oh là là, c'est qui? C'est Raiko. Ah non, c'est pas Raiko, c'est Géo. Très près, il est en retard déjà. Une seconde. Très pressant, on a Raiko sur Thibaut. Ah, c'est chaud, hein, cette course, c'est très serré. Déjà en qualification, c'était très serré, mais là, ça allait encore plus. Mais il va falloir attendre que le DRS soit de nouveau activé. Alors que MC Mu essaye de creuser le trou. Ah, Eagle de Géo. C'est la bagarre. Attention parce que GG est revenu au contact. Eagle sous la menace de Géo. Bah, je pense pas que Géo va essayer de l'attaquer dans ce virage-ci. Le virage rapide, ça se passe à fond. Trop risqué. Peut-être à la sortie du virage. Non plus. Oh, la glissade d'Eagle, là ça va. C'est pas ce qu'il fallait pour la réaccélération. Je pense que Géo va l'attaquer. Ou par l'extérieur, ça risque d'être limite. Attention, Géo par l'extérieur, sont tous les deux côte à côte. Là, il a l'avantage. Et ouais, ça passe pour Géo. Très beau dépassement. Alors on monte sur les leaders. Alors est-ce que MC Mu va réussir à prendre du terrain? Ouh, Doscam qui revient fort, Doscam revient fort, mais ça ne suffira pas. Alors Eagle Géo, on se rebat encore. Eagle qui a repassé. Grosse bagarre entre ces deux là. Estoche qui a fait une petite manœuvre d'intimidation sur GG.
Alors, on est Kajdanovic, il a 2 secondes de Nono. Joslav a pu reprendre la 15e position. Tony est juste derrière. Et Thibaut, 1 seconde 5. Et il perd du terrain sur les meilleurs. Oula, il y a un pilote qui a fait une erreur. Il y a un pilote qui est parti à la faute. Je me demande si c'est pas Bestoche qui s'est un peu loupé. Alors, on va aller revoir en tête de cette course. Tom qui se décale. Alors, le DRS est activé. Là, je pense que Doscam va attaquer. Ouais, Doscam, non, il reste derrière. Il reste derrière. Et Thibaut qui s'est fait passer par Raikko. Un bon rythme Thibaut avec les médiums, mais là ça devient plus compliqué avec les hard, alors que Joslav a fait une petite erreur et parti à la faute et il a perdu des positions. Il se retrouve bon dernier. Alors MC Mukhitiev toujours le coup, toujours à cette première place. Alors c'est passé du côté de Nono sur Enscorp, où c'est la bagarre entre les deux. Attention parce que Bestoche est juste derrière. Allez, l'abandon d'Eagle. Allez, Eagle parti à la faute. Allez, là, on vient de le voir. Erreur voiture de sécurité. Ah, là, ça va changer la donne. Parce que là, il reste plus beaucoup de tours. Donc, qui va aller mettre les softs? MC Mus pour pas de questions. Il va chausser d'autres gommes. Doscam reste en piste avec ses hards. Aïe aïe aïe, attention. Oh là là, Doscam. Le seul pilote qui est resté en piste. MCMU pour tout cela. Oh, il y a tout le monde qui rentre. Je pense pas que Nono rentre. Non, Nono il rentre pas. Donc voilà, Nono rentre pas. MCMU repasse maintenant. Oh purée, il y a tout le monde qui rentre au stand. Oui, oui, oui. Est-ce que Doscam a fait le bon choix? Attention! Doscam qui est resté avec ses hards et Nono aussi. Alors que tout le monde derrière, Triomphe n'est pas rentré non plus. Alors MCMU, il a remis des médiums. Bizarre. Bizarre, bizarre. Tom a mis des softs. Oui, oui, oui. Tom a mis des softs. Mookie a remis des médiums, Raikko a mis des softs, Thibaut a remis des médiums. Je suis étonné que MCMU a remis des médiums. J'aurais mis des softs. Mais le boulot pour Doscam, ça va être directement à la safety car, créer vraiment un gros écart. Bon, donc MCMU lui va devoir passer son temps à faire des dépassements. Mais je pense que... Je sais pas, je suis je me tâte. Je sais pas si c'était le bon choix de rester en piste pour Doscam. Parce que quand on voit tous les pilotes sont rentrés au stade. Sauf 3. Mais Tom avec des softs, ça va être très très rapide.
Raiko également. Je pense que du côté de chez Mercedes, une fois que MC Mus sera derrière Nono, il va sûrement pas assister, il va le laisser passer pour aller à la chasse de Doscam. Alors la deuxième safety car sur cette course après l'abandon de Charles. Et celui d'Eagle maintenant. Alors Bestoche qui est encore dans les stands. Est-ce que la safety car va rentrer dans ce tour ou elle va encore effectuer un tour avec les 17 pilotes restants? Quoique Doscam il est capable quand même de garder l'avantage, mais mec c'est hard. Il est capable. Alors je pense qu'on va encore effectuer un tour. Voilà. Et très vite fixé. Et ouais, non, elle rentre ce tour, ça y est. Ouais, Bestoche a eu le temps de recoller, on le voit tout dans le fond, tout dans le fond, la Red Bull. Alors, on va se mettre sur Triomphe. Évidemment, les pneus des trois premiers, pour le moment, c'est des glaçons. Parce que les pneus hard sont quand même difficiles à chauffer. On voit que ça zigzague un peu moins du côté d'MCMU, Tom et Mookie. Et Doscam qui a déjà relancé. Il a déjà surpris tout le monde. Oh là là, MCMU est déjà loin. MCMU est déjà loin. Il a surpris tout le monde, Doscam. Il a relancé très tôt. Ouais, MCMU qui fait déjà l'extérieur. Sur Triomphe. Oh là là, Triomphe qui se fait déborder de partout. Tom est passé, Mookie est passé, oulala c'est chaud avec Raiko. Oh hyper gros là, Triomphe, perdu pas mal de positions, il en perd encore une, profite Thibaut. Attention, à suivre ça va être Tom, et Tom va être très rapide avec ses softs. Il est au taquet là sur MCMU. Et je pense que la stratégie de Tom, ce serait de rester calé derrière MCMU et de vite aller rechercher Nono. Oh là là, il passe là. Ouh, c'est chaud. Très très chaud. Oh là là, oui, contact Tom avec Nono. Aïe aïe aïe. Contact. Drapeau jaune. Ah, c'était tendu, elle a passé dans ses virages. Déjà avec son coéquipier c'était très chaud. Ah ouais, MCMU est déjà revenu. Ah il va passer un sale quart d'heure là Doscam. Ouais on voit un Tom très pressant sur la Mercedes. Ça va être une fête course haletante hein. MCMU qui tente les freins là, non. Ouh là là le 3. Ouf, j'ai cru qu'ils allaient 3 de front dans le virage. Tom qui y va sur MCMU. Ouh là là, ouh c'est chaud. On n'aurait pas mis une feuille de CB. Oh c'est très chaud, très très chaud. Ouais, Tom qui plonge. Ouais, très très serré avec les 5 là. Et cet homme qui a pris l'avantage. Attention parce que Mookie est à l'intérieur sur
Sur MCMU, ça passe pas. Ouais, Braiko qui revient très fort. MCMU un peu large. Il se décale, Raiko. On va tenter le dépassement sur Mookie. Ouais, Mookie qui met sa pile aussi. Les deux mettent leur pile. Et ça garde l'avantage pour l'Alfa Romeo. MCMU, il faut qu'il passe. Hein. Medox qui prend 3 secondes de pénalité. MCMU qui escalade le vibreur. Parce que Raiko et Tom est en train de s'envoler là. En train de s'envoler. Cinq secondes de pénalité pour Nono. Le malheureux Nono. Hein, Allez, c'est l'abandon, malheureusement, ouais. Dommage. Après, le contact avec Tom. MCMU qui passe. Ça y est, il a réussi à trouver l'ouverture sur Dostiam. Et maintenant, il faut aller chercher Tom, qui a déjà une seconde d'avance. Alors Montana très pressant sur Triumph. Et puis on a Medox avec sa pénalité qui est dans les basques de Unscorp. Géo est dans les basques de GG du Gard. Alors avec le DRS peut-il y aller Unscorp sur son coéquipier? Oh non Ouais, si. GG, Géo, il a pas su aller sur GG. On remonte devant. MCMU, meilleur temps. Et Dostiam qui a du mal à suivre le rythme avec ses hard. Il aurait dû rentrer au stand. Et du coup, il fait les affaires de MCMU et Tom qui s'envole. Est-ce que Mookie va pouvoir l'attaquer? Ah, il se décale. Oh, et Thibaut qui en bagarre avec Raiko. Deux pilotes sont côte à côte. Ah, c'est joli. Et Thibaut qui passe par l'extérieur. Bon, MCMU qui est revenu. MCMU qui est revenu. Alors, c'est là où Mookie doit rester très proche de Dostiam. Ah ouais, là, ça va le faire. Oh là, Dostiam, il a du mal dans ce virage-là. C'est passé pour Mookie. Oh, Thibaut qui arrive à fond de balle. Et qui passe. Elle n'a pas fait le bon choix, Dostiam, malheureusement. Rester avec les hardes. Pourtant, il a vu avec MCMU plongé dans la voie des stands. Alors maintenant, un sec tour de la fesse. Est-ce que MCMU peut battre Tom sur ses gommes médium et Tom avec ses gommes soft? Ça va être compliqué. Ouh là là, c'est qui a perdu des places? C'est Mookie! Mookie qui perd le podium! Ouh là là, Mookie qui perd le podium! Ouh, dommage! Juste au moment où il avait fait le plus dur, il est passé. Aïe aïe aïe, il perd tout. Va se faire dépasser par son coéquipier Tony. Aïe aïe aïe, il perd tout! Et Dostiam qui repasse sur Raiko. Grosse bagarre! Et c'est Thibaut qui profite de la troisième place maintenant du podium. Alors Raiko là il va attaquer par la droite de Dostiam. C'est passé. Dostiam qui directement essaye de reprendre l'aspiration.
Oh là là, il y a du Rififi derrière. Ouais, Mookie qui a encore perdu des places. Se retrouve 14e. Oui, 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 Mookie, dommage. Oh là là, c'est qui ça? C'est Bestoche qui passe en plein milieu. Avec Triomphe. Ouais, dommage vraiment pour Mookie. Il était. Ouais, vitesse excessive dans les stands. Ça sent l'abandon pour Mookie. Alors, les deux leaders. Alors, est-ce que Tom va garder l'avantage sur MCMU? Joslav qui passe Tony. Et Mookie, il continue, hein. Continue. Il rentre au stand, mais il continue. Aïe, 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 deux scams, 3 secondes de pénalité. Aïe, 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 ça c'est malheureusement le podium qui s'envole pour lui. Là c'est quasi sûr, les carottes sont cuites. Oh là là, bagarre, ça y est. MCMU, ça a titillé là, j'ai vu que ça a changé furtivement. Tom a gardé l'avantage. Thibaut, lui, il est bien parti pour aller chercher la troisième place du podium au minimum. À moins qu'il arrive à recoller sur les deux leaders. Allez, on va continuer à suivre cette bagarre. Pour la victoire. MCMU qui va se rapprocher avec l'aide du DRS. Mais Tom, il tient bon. Hein. Il tient bon, Tom. Différence sur les gommes. Allez, on va faire une petite top position. Alors, 9 places de gagné pour Tony. 8 places pour Enscorp. Ça, c'est bien joué pour les deux. Et puis alors celui qui a perdu le plus de place, ben forcément on l'a vu, c'est Mookie, le malheureux. Lui qui jouait le podium. Ouh, l'attaque d'MCMU avec le DRS. Et c'est passé. Alors 44% de pile pour MCMU, 21% pour Tom. Tom, il faut qu'il recharge, qu'il reste collé. Et je pense que dans la dernière ligne droite du dernier tour, c'est là où il va falloir tenter l'attaque. Mais pour ça, c'est facile à dire, plus facile à dire qu'à faire. Parce que suivre le rythme de MCMU, ça va être compliqué. Et Thibaut, hein, qui revient tout doucement, tout doucement. Doskiam, lui, garde l'avantage sur Raiko, mais Raiko, il le sait, et il va, quoi qu'il arrive, il reste au contact, il va lui souffler la quatrième place. Ah, il revient fort là, il revient fort, Tom, il faut qu'il reste accroché, Mookie meilleur temps. Voilà, c'est là, c'est maintenant. Mais qu'est-ce que va faire Tom? Est-ce qu'il va y aller? Il enclenche pas le RS. Ah non, il a pas tenté. Il a pas tenté. Même si MCMU lui garde le RS. Attention. C'est maintenant où ça va jouer pour Tom. Il faut absolument qu'il reste dans ce tour au contact du leader. Pour dans la ligne droite qu'on vient de voir. Tenter une attaque. Mais Thibaut, il lâche rien. Il donne tout. Dernier tour, il revient. Il tente de revenir. Essayer de mettre un maximum de pression.
Voilà, glissade de Tom là. 3 dixièmes de retard. Il reste au contact avec le DRS. Et Raikkonen qui a trouvé l'ouverture sur Doskiam. Alors ça va être chaud. Thibaut est revenu sous la seconde. Allez, c'est maintenant, c'est parti, c'est là où ça a joué. On va rester sur Thibaut pour voir ce que ça se passe. MCMU ne se loupe pas. Et MCMU va mettre toute la pile maintenant. Ça se décale. Et il va garder l'avantage. Il va garder l'avantage, MCMU. Oui, il va le faire. Il va aller chercher la victoire. Il va aller chercher la victoire, le pilote Mercedes. Malheureusement pour Raikkonen. Oula, Tom qui a fait se faire déborder. Ouh, Thibaut en glissade. La victoire de MCMU. Devant Tom et Thibaut pour le podium. Raikkonen sera 4e, 5e Doskiam. 6e Géo. 7e GG Dugard. 8e Enscorp. 9e Medox. Alors est-ce que Joslav va terminer 10e? Oui. 11e Tony. 12e Montana. 13e Kajdanovic. 14e Bestoche. 15e on aura Triomphe. Et 16e le malheureux Mouti avec qui jouait le podium. Ben voilà la victoire de MCMU. Bravo à lui. Belle course des amis de la CRT. On a eu de la bagarre, du suspense. Et Enscorp, le pilote du jour. On a fait une belle course, Enscorp. Alors, on va avoir le podium. Avec une Mercedes, une Alpine et une Aston Martin. Bravo à vous, messieurs. Très belle course. C'était chaud, chaud, chaud. Hein. Et s'il y aurait eu un tour de plus, je pense que Thibaut aurait peut-être pu créer peut-être la surprise. En tous les cas, c'était très, très chaud dans le dernier tour. MCMU a gardé ses nerfs. Et du coup, aller chercher cette belle victoire. 8 dixièmes d'avance sur Tom. Et une seconde d'avance sur Thibaut. Enscorp, le pilote du jour, finit 8e. Donc bravo à lui. Et voilà le classement final de la manche de Grande-Bretagne. Et Doskiam qui. Malheureusement, je pense la stratégie des pneus hard, ça lui a coûté cher. Salut. Salut Doskiam. Je t'invite Tom et MCMU. Et Thibaut. Ouais, Thibaut, si jamais il n'est pas dispo pour l'interview, il vient de marquer. D'accord. Ça marche. Le pilote du jour aussi, si tu veux que je l'invite. Ouais, tu peux l'inviter, c'est Enscorp, si tu veux. Enscorp. Allez. Ouais. Enscorp. Alors la stratégie des Hart, malheureusement de Scam, hein. Ouais, on va pas en parler, hein, comme le carnet est passé, quoi. On s'est un peu loupé là-dessus, hein, je pense. Bah ouais, moi je me suis dit, quand j'ai vu l'usure des jaunes, je me suis dit c'est bon, les rouges ils vont même pas faire long. Les jaunes pareil, je vais pouvoir rester devant, mais ouais non, ça n'a pas fait long. Ouais ouais, dommage, t'avais bien surpris tout au monde au restart. Mais malheureusement, Tom et MCMU sont revenus comme des boulets de canon directement. Ah, c'est ça. Et puis après, une fois dépassé, ils sont rien pu faire. Puis après, c'était quoi? C'est je me suis Raikko. Planté, Mouki m'a doublé. Raikko était juste derrière, Mouki part en spin, je l'ai évité, je sais pas comment. Puis du coup après, c'était foutu.
Ah voilà, Mais tu voilà. limites quand même bien la caisse, C'est ma faute, donc cinquième. voilà. Puis Ouais. Thibaut, à un moment aussi, je le touche, du coup, ça lui fera un peu sa course, je pense. Mon Dieu. Je pense qu'il optimise par rapport à la stratégie, mais ouais, j'ai quand même touché à un moment où ça l'a fait partir un peu en spin, ça lui a fait perdre pas mal de temps. Ouais, Pas la course optimale, quoi. c'était tordu, hein. Bon, tu as qu'à, c'était une très belle course. C'était très beau, très joli. On a eu des belles bagarres. Comme d'habitude, devant, c'était très serré. Donc, on s'est bien, enfin, je me suis bien régalé. Alors là, on attend les pilotes pour l'interview. Je vais voir si... Attends, je retag Inscorp. Hop, interview. Avec tout ça, t'as quand même un matelas d'avance au championnat. Ouais, pilote, ça va encore, mais c'est surtout au constructeur. Là, je crois que je me demande si MCMU ne repasse pas devant chez Merco. Là. Je vais regarder ça peut-être avec Ce Nono qu'il y a, l'interview. c'est ouais, Nono a abandonné, donc malheureusement, il marquera pas de points. Ouais. Après, contact dans les trois virages rapides là. Avec bah justement quand MCMU est passé, c'était déjà très chaud et puis il y a eu un petit contact avec Tom. Ouais, j'ai entendu crier dans la chambre des côtés. Et du coup Bon, en même temps, il était pas sur la même course que je, il aurait dû les laisser passer. ouais, je pense C'est toujours un que risque à prendre après quand t'as 5-6 pilotes ultra rapides derrière toi. Il a fait la même erreur que toi, il aurait dû peut-être rentrer. Alors salut Joss. Joss qui a une course compliquée, hein, mais il a quand même réussi à arracher le top 10. Ils se font attendre, hein, les trois là. Enfin les deux. Eh bonsoir. Ils sont là? Ah Ah ben bah moi moi je je suis t'en vais, ils rentré sont là. moi, ça fait 2 mois. Bonsoir Bonsoir, moi aussi je MCMU. suis là. Bonsoir. Bonsoir Tom. Bonsoir. Bah ouais, bah écoute, j'ai pas la notif quand vous arrivez Ah. dans la vocale, donc voilà. Donc bah on va commencer avec le deuxième de cette course. Félicitations Tom. Merci. Alors bah dommage, hein, il s'est fallu de peu. Ouais, bah, j'ai voulu tenter un truc agressif. Bon, ça a pas marché, je m'en doutais un peu, mais j'ai voulu l'essayer. Bon. Mais après, je savais très bien que sur la fin de course, MCMU, il aurait eu des pneus bien plus frais, du coup, plus de batterie, puisque forcément, j'ai vraiment dû taper la batterie pour passer d'Oscam là, dans un trou de souris là, dans le secteur 1. Mais bon, c'est comme ça. Mais sinon, en règle générale, c'était une belle course. J'ai bien kiffé la bagarre à 4 au début. Sur le premier relais, après il y a la première essai. Et pareil, après Dascam il fait une touchette avec Thibaut, du coup Thibaut il est plus dans ce groupe là, mais après on était tout le temps à 3. Et après, ben, dernière safety car, hein, il reste 10 tours, je dis bah vas-y, je vais tenter les softs avec la relance de safety car, il reste 8 tours. J'ai voulu essayer, mais bon, enfin, j'étais mitigé, bon, au final je finis P2, mais bon. Après, c'est la course, mais j'ai passé une belle course, c'était cool. J'ai bien apprécié. Ah, t'as bien remplacé Elliot, hein. Il était content sur le chat du live. Il a dit j'irai jamais aussi vite avec ma voiture comme ça. Donc, en tous les cas, belle bagarre, c'est vrai à 4, mais vous étiez sec avec Mookie qui était en embuscade. C'était sympa à voir. Félicitations à toi pour ta deuxième place. Merci. Alors, on va passer au vainqueur de cette course, MCU, bravo. Merci, bonsoir, encore une fois. Alors, MCMU, en forme, hein, là, pour le moment, hein. Ouais, tout réussi en ce moment, ça fait plaisir. Si je dis pas de bêtises, c'est la deuxième ou troisième victoire d'affilée à CRT. Je sais plus. Je vais te dire, bouge pas. Depuis Alors, que Doscam MCMU, est deux, passé, ouais, troisième. Ouais, ben depuis, voilà, c'est ça, depuis est le passé passage. sans c'est quoi, la trage avec ton Fin de la lead. trajectoire. Ouais. Et bah du coup c'est toi le nouveau Doscam maintenant. Doscam 2.0.
Il aurait pu enlever quand même la trajectoire avant, mais bon. Ouais, Non, non, en vrai, ouais, si content de la qualif et de la course, pour une fois content de la qualif, j'annule pas. Surtout ici, c'est compliqué. Et ouais, après la course, très bon départ. Après, bon, moi, avec les hards au début, c'était compliqué de tenir les médiums. Et après je suis resté dans le bon groupe, c'est ce qui est important ici à Silverstone, rester dans le bon groupe de DRS parce que le DRS est très puissant ici. Et après ouais, des bons choix stratégiques et Morine, mais je pensais que ça a été très important ce soir et puis voilà, je pense que j'ai pas grand-chose à dire. on Gagner un peu dirait que sur mon t'as envie circuit de que je... pleurer. Non, non, pas vraiment, mais... Pas vraiment, mais non, en plus, ça fait plaisir de gagner sur un circuit que j'apprécie pas forcément. Ça fait plaisir, quoi. Ah bah écoute, en tous les cas, ouais, vous avez fait une très belle bagarre devant, franchement, c'était super sympa à suivre. Et je me répète encore, je l'avais dit sur le Messenger, mais je m'excuse auprès de Nono, surtout. Je le Enfin, percute. c'est Triomphe aussi, je le surtout percute au moment de la relance. Nono, c'est surtout moi, je pense, tu vois, je prends l'exté et ouais, il me prend la barrière, tu vois. je le touche un peu aussi, non. Bon, après, C'était le osé de problème, c'est passer qu'il... là, hein. Mais Ouais, voilà, bon, c'est après, vrai il a que forcé c'est avec top les qui pneus le usés, il touche. n'aurait pas forcément dû, quoi. Ouais, Mais bon, c'est vrai, c'est... c'est vrai. Mais c'est aussi, non, ouais, c'est Tom qui le touche. Mais voilà, il a assisté quand même avec différence de gomme. Le rythme n'était pas le même non plus, donc je pense que voilà, malheureusement, ça arrive et ça arrivera encore. En tous les cas, félicitations à vous Merci. pour le podium. Alors, je ne sais pas si on a le pilote du jour avec nous. Non, du coup, il est pas venu. Trop timide aussi. Ouais. Doskama Optimo. Bah, on fera mieux la prochaine, on espère. Parce que là, du coup, Marco a 12 points, non, même moins, 9 points de nos constructeurs. Bon, ça risque d'être un peu chaud pour l'Hongrie, sauf qu'on l'aime pas du tout celui-là. Mais ça va être sympa, là, c'est serré. Il faut que je me rentraîne encore un peu centrage, parce que j'ai quand même pas encore le niveau. Pas assez régulier. Puis que je me rentraîne sur les strats aussi, ça va pas trop là en ce moment. Ouais, là aujourd'hui la strat malheureusement ça t'a C'est pas coûté gagné. cher. Ben voilà, en tous les cas, félicitations à vous pour le spectacle, bravo à tous les pilotes. Merci. Alors, on va se donner rendez-vous mercredi prochain à 21h pour la manche de Las Vegas. Ce sera la 22e manche du championnat FRM. Ça risque d'être chaud boulette. Et sinon, on se donnera rendez-vous ben, jeudi pour le GT, comme d'habitude. Et sinon, dans 15 jours, la manche numéro combien d'Oskiam? Et ce sera où? Deuxième moitié de saison, on entame en Hongrie, donc ce sera le 11e Grand Prix. Donc voilà, rendez-vous dans 15 jours pour les amis de la CRT à 17h. Ben, bonne soirée à tous, bon appétit pour ceux qui vont passer à table, bonne fête semaine et à la semaine prochaine. Ciao ciao! Ciao.